Pas l'habitude d'être pris en vidéo, non. Salut Mickaël, alors tu nous fais quoi comme tour là? Alors je vais vous faire un petit bolto. Vas-y. Voilà. Alors le bolto se joue généralement avec trois cartes. Une, deux et trois. Deux noires et une rouge. Ok. Habituellement, vous l'avez compris, je pense, l'as de cœur c'est la carte gagnante, tandis que les noirs sont les cartes perdantes. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Ok. Alors, je vais laisser l'as de cœur au centre du tapis. Les noirs, c'est les perdants, je vais laisser aux extrémités. Parce que là, ça va. Habituellement, le truc des joueurs, c'est qu'ils arrivent à changer les cartes comme ça sans que je l'aperceviez. C'est ça le truc du bon jeu. Juste pour voir si vous suivez, l'as de cœur se trouve. Attendez. Non, mais moi je change jamais. Hein. Bon, regarde, je vais vous le refaire. On a dit donc noir, c'est perdant. Ouais, d'accord. L'as de cœur, c'est la gagnante. Et trois de trèfle, c'est perdant. Okay. J'ai pas changé là, vous avez changé. L'as de cœur. Le but, c'est que... On va vérifier au milieu pour voir, parce que tout à l'heure il est au milieu. Bon, ok. Ah bah non. Non. Ok, ok. Trois cartes, c'est peut-être un petit peu difficile à suivre. Ce que je vous propose, c'est de faire qu'avec deux cartes. Je vais enlever un 3 de trèfle, voilà. Juste deux cartes. As de cœur gagnant, 3 de trèfle perdant. Si je mélange les cartes comme ça indéfiniment, mais non, vous êtes un peu perdu. Il y a une chance sur deux. Mais je vais vous montrer pourquoi on ne peut pas gagner au bon taux. Regarde, je vais laisser l'as de cœur sur la table. Je vais laisser le 3 de trèfle dans les tubes. Okay. As de cœur. Carreau. Non, cœur. Et 3 de trèfle. Ouais, ouais. Je vais laisser comme ça. Comme ça, il n'y a pas de magouille. Je cache juste avec la main. 3 de trèfle, as de cœur. Attention, ça va vite. Hein. As de cœur. Là. 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 Allez, une petite dernière fois pour le plaisir. Madame, si j'inverse les cartes, l'as de cœur est au milieu. Ouais. Bon, là, c'est facile parce qu'elles sont visibles. Je le fais dans l'autre sens. J'inverse les cartes, l'as de cœur se trouve... Ah, bien, ok. Vous m'avez eu là, attendez. Regardez, si je souffle, eh bien l'as de cœur disparaît. Ouais. Ah non. Mais si je ressouffle, l'as de cœur revient. Ah, mais c'est facile, il a un double. Marquez, c'est vrai que c'est plus simple. Hein. Mais attention, l'as de cœur a un double. Mais en revanche, les trois trèfles sont maintenant des as de cœur. En revanche, si je mélange, on peut avoir l'impression qu'il y a des trois trèfles partout. Bon, on va vraiment finir la routine. Je vais juste garder deux cartes, ok? L'as de cœur à double et je vais garder un 3 de trèfle à dos rouge. Ok? 3 de trèfle à dos rouge, as de cœur à double. Et si je fais ça, ça s'inverse. As de cœur à dos rouge, 3 de trèfle à dos bleu. Alors, je recommence. As de cœur à dos bleu et 3 de trèfle à dos rouge. Si les dos peuvent changer de place, imaginez bien que les faces peuvent changer de place. On va faire jouer monsieur. As de cœur, bleu ou rouge? Bah allez, au hasard. Rouge. Hein. Rouge. Bah non. Non, non plus. C'était rouge, mais c'était ici. Voilà. Bravo, Mickaël, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo.